Nous sommes sur Allègre FM 93.1 Dans la vie est un roman. Et ce matin, nous allons parler d'une revue qui est rééditée. C'est la sortie du quatrième volume. Et c'est une revue qui s'appelait Midi Minuit Fantastique. Et donc qui a une longue histoire. Et le, la personne qui a fait cette réédition, elle est là avec nous, elle s'appelle Nicolas Stanzik, tu me reprendras si je prononce mal ton nom. Et je suis, il y a aussi Jean-Pierre Buxou qui écrivait dans cette revue. Et donc cette revue commence en 62, n'est-ce pas Tout à fait, Yves, bonjour Yves. Bonjour. Jean-Pierre, <laughs> bonjour Nicolas, bonjour Yves. Ben, oui. Alors, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire du projet, et l'histoire de cette revue Alors, Midi Minu Fantastique, c'est la toute première revue européenne dédiée au cinéma de genre, la première sur un plan mondial à s'adresser à un public adulte. Sur ce sujet-là, c'était vraiment une révolution dans l'histoire de la cinéphilie à l'époque. En gros, pour résumer, en 1962, euh, voilà, dans, le, dans, le, euh, dans une France ivre de confort moral, dirigée par un général septuagénaire, euh, traumatisé par la guerre d'Algérie. En gros, c'est un vaste dépucelage fantastique en terre cartésienne. C'est vraiment ça, Midi Minu, fantastique. Midi Minu a duré euh, à peu près dix ans. Euh, il y a eu 24 numéros publiés. Euh, c'est non seulement une revue pionnière, mais c'est une revue manifeste, dès le premier numéro, qui était un spécial Terence Fisher. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel au moment de sa sortie, parce que non seulement défendre le fantastique, ça n'allait pas de soi, mais le faire en se saisissant de l'actualité brûlante euh, que constituaient les productions Hammer. La Hammer Film, c'était ce studio anglais qui a produit des Dracula, des Frankenstein, à partir de 1957, avec Peter Cushing, Christopher Lee en technicolor, en mettant en scène une esthétique sanglante inédite, et bien ça vraiment en 62, le, donc défendre le fantastique en se saisissant de la mer, c'était vraiment une espèce de provocation énorme. En gros, euh, sur les premiers numéros, euh, alors, pour revenir vraiment à la base, la revue est fondée par Michel Caen et Alain Lebrun, qui étaient euh, à l'époque deux étudiants en médecine de 20 ans, mais qui euh, ont très rapidement délaissé le serment d'Hippocrate pour le prestige de Dracula. Voilà, en, en gros, ils séchaient les cours, ils passaient leur temps en salle, euh, dans les salles de quartier du, du, du quartier latin, pour voir toutes sortes de films. Et là, ils étaient passionnés par le cinéma Terence Fischer, et donc ils ont eu cette idée de faire un livre consacré à Fischer. Ils sont allés voir un éditeur qui était parmi les éditeurs les plus anticonformistes à l'époque à Paris, il s'agit d'Eric Losfeld, euh, qui se revendiquait éditeur des Surréalistes, qui était ami d'André Breton, mais qui avait quand même un catalogue plus large que le Surréalisme, hein. il éditait également euh, Eugène Ionesco, euh, euh, il avait euh, inventé le concept de bande dessinée pour adultes, avec euh, Barbarella, avec euh, plus tard Philippe Drouillet, Guy Pellart et quelques autres. Euh, il avait il signe également le manifeste des 121 contre la guerre d'Algérie, donc c'était vraiment un franc-tireur anarchiste qui n'a pas hésité à, à publier nombre de romans érotiques sous manteau également, et donc c'était l'interlocuteur idéal pour ces jeunes gens. L'Osfeld Le les reçoit et leur dit bien, Formidable, un livre sur Fischer, mais pourquoi pas mieux Pourquoi pas une revue Est-ce que vous auriez d'autres idées pour euh, d'éventuels euh, sommaires d'autres numéros Là, Michel quand répond du tac au tac Mais bien sûr, nous avons des sommaires pour 10 numéros au moins, ce qui était absolument pas vrai, évidemment, mais il a saisi la balle au bon. Euh, donc, ils, ils conviennent de lancer cette revue ensemble, mais là. Le Sfeld se dit c'est quand même des jeunes gens ils n'ont jamais rien fait jusque là il faudrait peut-être leur présenter deux personnalités qui font déjà un petit peu figure d'autorité en matière de fantastique ces deux jeunes ces deux autres personnes c'est Jean Boulet et Jean-Claude Romère, qui parallèlement était en train de travailler un numéro de la revue Bizarre, édité par le concurrent d'Eric Losfeld, Jean-Jacques Pauvert, un numéro de la revue Bizarre dédié à l'épouvante. Euh, alors, Jean Boulet, il faut le présenter, c'est quelqu'un qui était né en 1921, donc qui était plus âgé que les, que les trois autres. Et c'est quelqu'un qui avait été littéralement traumatisé, au bon sens du terme, par les productions universales dans les années 30. Les Universal Monster Movies, les Dracula, le Dracula avec Bela Lugosi. Les Frankenstein avec Boris Karloff et euh, après-guerre euh, tout ce pan de cinéma avait été un petit peu oublié dans la cinéphilie française hein. les films n'avaient pas, pas été reprogrammés après-guerre, ils avaient subi les, les foudres de la censure pendant l'occupation et donc Boulet se, se vivait un petit peu comme le, le, le dernier témoin de tout ce pan de cinéma et donc il écrivait des articles tout à fait délirants euh, où il s'autorisait quelques réinventions, par exemple Le, le Masque d'Or, un hein, foumon de chou avec Boris Karloff, sous sa plume ça devenait un film délirant avec des orgies de masochiste dans lequel des, de jeunes éphèbes étaient livrés à des caïmans en perlousé. Voilà, détail très important en perlousé. Donc ça a fait rêver toute, toute une génération de cinéphiles, dont Jean-Pierre, je suppose. Voilà. Et, euh, et donc voilà, personnage incroyable, Boulay, un front-tireur euh, habillé en cuir noir dix ans avant Vince Taylor, euh, avec le corps recouvert de tatouages euh, à une époque où seuls les marins ou les tonnards étaient tatoués. Euh, ami de Boris Vion, d'Edith Piaf. Euh, parrainé par Jean Cocteau, son premier recueil de dessins c'était Cocteau qui l'avait préfacé. Et ouvertement homosexuel à ouvertement homosexuel, une époque où c'est pas évident, voilà. Donc voilà un personnage haut en couleur. Jean-Claude Romer, lui c'était au contraire le dès, euh, dès 1961-62 c'était déjà le, le signifie extrêmement sérieux, extrêmement rigoureux dans ses recherches. Déjà un filmographe exceptionnel. Et donc voilà l'équipe de Midi Minuit réunie c'est Georges Langlais, le secrétaire de rédaction qui a imaginé le nom, Midi Minuit en référence à une salle boulevard Poissonnière, sur l'écran duquel déferlait alors tout ce qui relevait du sexe de l'épouvante, de l'insolite ou mieux des trois à la fois. En gros c'est là qu'on découvre les productions Hammer, le gothique italien de Riccardo Freda de, de Mario Bava avec Barbara Steele euh, un certain nombre de productions euh, de Roger Corman euh, les films de Jess Franco, l'horrible Docteur Orloff en gros tout ce nouveau cinéma fantastique des années 60, toute cette nouvelle vague populaire fantastique des années 60, c'est là qu'on découvre euh, ces films-là. Et donc, c'était évidemment l'emblème euh, tout trouvé pour cette jeune revue naissante avec une ligne éditoriale totalement inédite. Oui, c'est formidable, là, tout ce, cet afflux de noms propres. Tu étais excellent. J'ai oublié de dire qu'on était dans La vie est un roman. Excusez-moi. Nous <laughs> sommes sur Aurélie FM 93.1 parce que c'est tellement riche en noms propres que j'en ai la tête qui tourne. Et donc, euh, c'est le volume 4 qui vient de paraître maintenant. Donc, il commence en 67, c'est ça C'est ça, oui. Et le premier film est un film dont j'ai un souvenir éblouissant, qui s'appelle Barrière de chair et qui est vraiment un de ces exemples d'ovnis, enfin, à l'époque, quand on a la chance de le voir euh, à Bruxelles. Et c'est une espèce de chose très, très particulière qui. qui qui, ce qui Justement. est le cas d'un grand nombre de films qui sont dans la revue. Midi Minuit Fantastique se paie un culot absolument extraordinaire. Il consacre un dossier avec un entretien et plein, plein, plein de photos à un film invisible en France. Il n'était pas question que le film soit distribué en France. Ils en parlent quand même, ils font un gros sujet dessus. Oui, ça, c est, c est, Midi Minuit, de ce point de vue-là, c'est extraordinaire. Quand on va même, de toute façon, l'évolution de la revue, à la base, effectivement, on s'intéresse au cinéma bis à toutes ces choses-là, mais dès le milieu des années 60, on, on redéfinit la notion de fantastique et on ouvre cette, euh, cette notion vraiment à toutes les cinématographies du monde et vraiment à tout petit de, de films, c'est-à-dire autant les séries B populaires que les films d'auteur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le grand pari de cette revue, c'est de dire on va défendre la nouvelle vague euh, euh, fantastique au même titre que la nouvelle vague celle de Godard, de, de, de Truffaut en disant que tout ce pan de cinéma en fait remet en cause le cinéma de papa voilà, c'est un petit peu ça l'idée et donc on va défendre avec la même passion euh, le cauchemar de Dracula et Alphaville de Godard ou l'horrible Docteur Orloff et Je t'aime, je t'aime d'Alain René et donc en fait avec cette perspective là, à un moment donné on s'intéresse vraiment au, au cinéma d'où qu'il viennent et il y a vraiment ce tropisme japonais dans les derniers numéros dû à Roland le Lethem, parce que c'est lui qui va partir au Japon, Japon faire oui. ses grands entretiens avec Seijun Suzuki, avec Koji Wakamatsu, avec Ishiro Honda, et ça, c'est mais c'est d'une avant-garde totale. Et dans ce dernier volume, donc de notre intégrale Midi Minuit restaurée, augmentée, etc. Eh bien, moi, j'avais vraiment à cœur de réhabiliter les derniers numéros de la revue parce que c'est vrai que à l'époque, pour ceux qui ont suivi un petit peu l'histoire le, le, de Midi Minuit en temps réel, il y a eu à un moment donné cette espèce de trouble de se dire mais est-ce que c est, on parle encore réellement de fantastique. Enfin, quand il voyait les photos de, de Suzuki, de La Barrière de chair ou de euh, Wakamatsu, je pense que certains euh, gardiens du temple ont été un peu troublés. C'est l'époque où il y a l'écran fantastique qui va naître sous forme de Franzine en 69 ou Mad Movies un petit peu plus tard. Et eux voulaient revenir un petit peu aux monstres traditionnels. Et en fait, dans ces derniers numéros et donc dans ce dernier volume, finalement, quand on, le, quand on se ressaisit de tout ça aujourd'hui, on s'aperçoit que Midi-Minuit était totalement d'avant-garde et... et totalement en phase avec les évolutions qui ont été celles du cinéma de genre par la suite. Et en gros, on est vraiment en phase avec euh, la manière dont aujourd'hui on peut apprécier le cinéma de genre. Quand on lit par exemple Mad Movies aujourd'hui, c'est tout à fait naturel de parler toutes sortes de films bizarres qui viennent du Japon, de films actuels. En fait, c'était ce regard-là, il est vraiment né à la fin des années 60, dans midi-minuit, et c'est un coup de génie absolu de la revue, euh, à mon sens. Et alors, il ne faudrait pas se tromper non plus. C'est si Godard et René sont mentionnés dans, c'est que c'est eux qui font un pas vers le cinéma de genre. Bien sûr. L'exemple parfait étant Moqui. Oui. Alors Moqui représenterait le, le, une espèce de, de à la fois de. de, de Mais c'est Moqui qui a fait, qui a sollicité la revue pour euh, être interviewé. Ah oui. Et donc. Parce que parce que euh, personne ne parlait de lui et il s'est dit c'est la seule revue qui soit assez si anticonformiste pour s'intéresser à moi. Et, c et, et Mocky, c'est sa culture, en fait. Comme il va, il va aller voir Manchette, par exemple, pour bosser avec Manchette, etc. Je veux dire, c est, c est pop, ça finit avec Rouchemeyer, le quatrième volume. Donc, il n'y a pas ce, il n'y a pas un désir d'être reconnu par les intellectuels de la nouvelle vague, si tu veux, les, les fils à papa, tout le côté BCBG de derrière l'étoile, là, tu vois. C'est pas ça du tout. C'est une affirmation très forte du genre avec toutes ses qualités. Et c'est plutôt les intellectuels qui tout vont avoir envie. De se mettre un petit, un petit fleuron à la boutonnière, un petit plus, un, une petite mèche rouge ou dans les cheveux, un truc. C'est exactement ça. C'est de que... créer du désir pour ce genre. C'est le désir du genre qui s'affirme et qui se revendique. Et c'est la noblesse du genre. C'est vraiment. Et, et, et on voit bien en, en, en le feuilletant que le genre se crée en même temps. C'est-à-dire qu'il. Il, 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 appr il apprend à se connaître lui-même. Il, il y a une maïotique euh, socratique à l'intérieur de la revue qui est le, le genre par, par échelon va se redéfinir chaque fois. En fait, il y a eu un impact très très fort de ce qui a été euh, proposé par Bindi Minuit en termes de, de, de vision critique. Ils avaient cette manière de revendiquer ce qu'ils appelaient la politique des horreurs alors la politique des horreurs ça, ça nous fait bien rire parce que il euh, y a cette espèce de jeu de mots par rapport à la politique des auteurs propre au cahier du cinéma curieusement c'est pas eux qui ont lancé l'expression c'est Jean-Paul dans Jean Positif. six mois auparavant oui. effectivement mais ça a été repris oui, 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 à, à leur compte bien sûr c'est la revue qui a mis en pratique bien la sûr. politique des bien horreurs sûr. mais derrière ce ce, y a ce mot là cette expression il y a pas qu'un jeu de mots il y a vraiment quelque chose de, qui relève d'un manifeste esthétique et c'est très frappant dans deux Choses premièrement, la couverture du numéro 1 et deuxièmement, le fameux numéro 8 spécial érotisme et épouvante qui a subi les foudres euh, à un moment donné des si ce n'est de la censure, en tout cas des autorités euh, à ce moment-là. La couverture du numéro 1 c'est la photo de plateau tirée de, de la nuit du loup-garou avec euh, Oliver Reed étranglant Yvonne Romain. Alors, dans le contexte de l'époque, c'est un choc inouï parce que déjà mettre un monstre en couverture c'était pas évident. Il y avait eu le précédent de cinéma 57, mais là on est beaucoup plus euh, provocant dans la reformulation agressive des Rossettanatos. Est-elle en train de jouer Est-elle en train de mourir On ne sait pas. Donc déjà, c'est une première question. Mais deuxièmement, ceux qui ont vu le film savent qu'en fait il s'agit d'une photo impossible. Le film était sorti six mois auparavant et il s'avère que dans la nuit du loup-garou, la jeune femme qui se fait étrangler par le loup-garou n'est autre que la mère du loup-garou et elle meurt au moment de le mettre au monde. Si bien que ceux qui ont vu le film savent qu'il s'agit d'une provocation incestueuse. Et là, le coup de, génie de midi Minuit, c'est désigner un, un objet... nécrophile. voilà un nécrophile et tout ce qu'on veut. Fin... et le, le, le coup de, génie de midi Minuit, c'est désigner un objet inédit, l'horreur anglaise nouvelle manière et de de donner une manière de le regarder, une, une manière d'orienter le regard, se focaliser sur sa dimension subversive, transgressive, enfin tout ce qu'on veut. Et ça, c'est vraiment la naissance d'une communauté de regards c'est la naissance de la cinéphilie fantastique, d'où le côté revue manifeste. Mais quelques années après, avec le numéro 8, ça va plus loin. c'est le Alors dans ce numéro, il y a une iconographie... Délirante, il euh, y a des tunnels et des tunnels de photos tirés de l'impasse aux violences de Jack l'éventreur, du sang du vampire, du voyeur, etc. Alors il y a une telle accumulation de scènes choc érotico-horrifique. Ça, évidemment, la censure n'a pas supporté. Il y a eu une descente de police à un moment donné chez Eric Losfeld pour tenter de faire saisir le numéro, mais a priori tout s'était vendu. En tout cas, il y avait plus de stock, donc on n'a pas pu interdire le numéro. On n'interdit pas ce qui n'existe plus. Mais là où ça va plus loin, c'est que Michel Quand avait fait un texte brillant sur le. Sur le voyeur qui s'appelait les milieux du docteur Lewis. Très grande critique, mais il, pas, il ne s'est pas contenté de faire ça. Il a accompagné cette critique d'un certain nombre de photogrammes qui, pour le coup, n'avaient pas été pris par Raphaël Marangus, spécialiste des photogrammes à ce moment-là, mais pris par Michel Camps lui-même dans l'enceinte du midi-minuit. Et les photos, qui ont un espèce de grain très sombre, qui ont, euh, qui ont un côté euh, presque plus effrayant que le film lui-même, sont vraiment euh, euh, très frappantes euh, parce que, en gros, Michel Camps les a pris lui-même dans l'enceinte du midi-minuit. Et là, on a une, une mise en abîme formidable. C'est le voyeur qui contemple le voyeur. Donc il y, y a déjà une espèce de bras d'honneur anarchiste. Euh, dans là, tu, cette... tu parles du chef-d'œuvre absolu. Euh, de Michael de, Powell, voilà. De Michael Powell, Exactement. qui est le film le plus extraordinaire, qui n'a pas de, de suite, mais qui est le. C'est le, le... le, le est, film qui... le plus intelligent, le plus vertigineux qui existe voilà. sur le cinéma. C'est et, ça. Et qui est, qui qui est, qui est, euh, qui est du, pour l'époque d'une modernité absolument aveuglante. Et qui n'a pas besoin de monstres, qui n'a pas besoin d'appel à l'inconscient, qui n'a besoin de rien d'autre qu que mécanisme de travailler le rapport au lémiage, un mécanisme Voilà, optique, c est, c est Mais génial. Et là où la, le, le positionnement critique de, de Michel est génial, c'est que. Il y a cette provocation de l'identification au serial killer, bien sûr, le voyeur contemple le voyeur, donc déjà, provocation. Mais là où ça va plus loin, c'est qu'en fait, derrière cette provocation, il y a une manière de dire que finalement, le cinéma d'horreur est loin de relever des arts d'assouvissement comme les dénonces à l'époque Malraux, mais relève tout simplement d'un art de la sublimation. Et ça, cette vision-là des choses, elle est très importante parce que c'est ce qui va faire évoluer, je pense, tout le champ de la critique. À partir de ce moment-là, par exemple, Michel Kant va être invité dans les cahiers du cinéma non seulement à défendre des films fantastiques, en par parallèlement à, à son travail dans Midi-Minuit, mais il va finir par être celui qui va signer la critique de Pierrot le Fou de Godard. Le film peut-être le plus emblématique euh, de la Nouvelle Vague et des Cahiers à l'époque. Donc, il y, y a vraiment une espèce de renversement à ce moment-là qui est très important. Et c'est vrai que c'est cette époque-là où, à un moment donné, Godard va finir par faire Alphaville, Truffaut va faire Farina de 451, Fellini, qui était un ami de Michel, va s'intéresser aussi au, au fantastique. Jean-Pierre Mocky va faire la cité de l'indicible peur. Et en fait, je pense qu'à ce moment-là, Midi Minuit va décomplexer un certain nombre de, de, de cinéastes. Et c'est pas Midi Minuit, bien sûr, qui va vers la Nouvelle Vague, mais c'est la Nouvelle Vague qui va vers Midi Minuit. Inouï, quoi. On peut prendre comme exemple parallèle la réhabilitation de la bande dessinée. C'est peut-être beaucoup plus lisible. Ils ont beaucoup contribué. Et c'est beaucoup plus lisible oui. et c'est beaucoup plus facile à comprendre. Parce que maintenant, ce, tout ce discours qui se tient contre les jeux vidéo, l'existence enfin de ce qui existe aujourd'hui, me rappelle euh, de, de façon tout à fait caricaturale. Ce qu'on disait de la bande dessinée dans les années 50, où ça allait créer de l'illettrisme, ça allait créer de la délinquance quasiment. C'est ce qu'on disait aussi du cinéma fantastique juste avant que Midi, Minuit Fantastique apparaisse. Parce qu'il que faut bien se rappeler que, par exemple, Le cauchemar de Dracula, quand il sort sur les écrans, euh, dans l'ancêtre de Télérama qui s'appelait Radio, Cinéma, Télévision, il y avait une double page euh, consacrée au genre, et en particulier à ce film-là, titrée Non, Non, Non et Non, en disant que ce film va créer euh, euh, des générations de détraquées et de pervers, c'est un attentat carré à la dignité du public. C'était vrai, c'était vrai, c'était vrai. C'était bi bien Télérama à l'époque. Ça nous manque aujourd'hui, qu'il y ait des Mais gens qui, qui s'occupent un peu de la morale. Et voilà. qui Mais ils n'avaient pas, pas le monopole de la chose, parce que du côté de la presse communiste, on, on condamnait ces films-là parce qu'ils détournaient de l'horreur politique réelle du monde. Donc ils étaient aliénants. C'est voilà, super. super. Avait... Le cahier du aussi, les cahiers dessus Et le les cahiers du cinéma, les exécutaient en deux lignes et un mauvais jeu de mots en fin de magazine, a priori, c'était pas même pas des notules, c'était juste des phrases. c'était il faut qu'il les, qu les écrivait sans les signer, c'est ce qu'on m'a dit. Mais... Ça ne m'étonne voilà. pas, c'est un con. <laughs> ouais, c'est bien, c'est très bien. On va écouter un petit morceau de musique pour reprendre notre souffle. C'est lui qui a lancé l'usage de mettre ses rivaux en cage. Si vous voulez faire mon bonheur, mon seul plaisir c'est d'avoir peur. Et quand parfois je rêve à mon prince charmant. Bon, nous sommes sur Aligre FM 93.1 dans La vie est un roman et nous parlons de la réédition en quatre volumes de Midi, Minuit, Fantastique. Et donc, je pensais aussi à, à mon étonnement en feuilletant le quatrième volume de, de voir La planète des singes et puis le prisonnier dedans. Ça m'a fait plaisir, j'aurais situé ça. Je, je pensais que c'était du cinéma lambda par exemple, La planète des singes. Et puis, non seulement c'est dedans, mais c'est traité très largement, et visiblement, ça leur a fait très plaisir de voir ce film. Non seulement c'est traité dedans, mais c'est traité avec euh, force, documents très très rares, euh, que j'ai jamais vus par ailleurs. Il y, a, il y a toutes sortes de dessins de préparation de la planète des singes qu'on peut trouver notamment dans le numéro 21. Euh, voilà Midi Minuit avait toujours ce, ce cette le, pro, ma... le producteur de la balade des singes avait été un des premiers abonnés de la revue bah, voilà ah, Donc, bah, bah, la bah, explication bah. Bah, tu me l'apprends Jean-Pierre <laughs> ah oui. mais Midi Minuit s'intéressait au fantastique. encore une fois d'où qu'ils viennent c'est à dire ça pouvait être euh, ça pouvait aller euh, être du côté du cinéma expérimental le prisonnier, prisonnier c'est un bon exemple enfin il ne le traite pas vraiment mais il le mentionne il le mentionne mais et... c'est un, un bel exemple quand même de fantastique bien aussi, sûr voilà, ouais. très très bien bien, bien bien vieillé en plus, qui a très bien tenu le coup. Ils pouvaient parler donc aussi de blockbusters comme... Enfin, on ne parlait pas de blockbusters à l'époque, mais de grosses productions hollywoodiennes comme euh, La Planète des Singes. Mais en même temps, ils étaient capables de prendre aussi un court-métrage que personne n'avait vu Bien et de le mettre en couverture. C'était leur boulot, c'est normal. La, normal ouais. la Prima Donna de Philippe Lifshitz osait mettre ce film-là en couverture du numéro 9. Alors, personne ne l'a vu, mais c'est un pied de nez à toute euh, vision commerciale, à toute nécessité commerciale. Enfin, c'est... Euh, ce qui était déjà voilà. le cas avec les interviews de réalisateurs japonais, dont les films étaient invisibles en France. Oui, les voilà. films n'étaient pas distribués. On faisait, on faisait des, des, des gros sujets de films. Tu, tu pourrais, Jean-Pierre, nous raconter La Fée sanguinaire, par exemple Un genre de film que personne ne devait avoir vu en France. Euh, effectivement, il n'était pas, euh, pas diffusé en France. C'est un, un court-métrage belge de Roland Lethem. Roland Lethem étant le, un des piliers de, de, de la revue, il, il couvrait tout ce qui euh, concernait le Japon. Et il faisait par ailleurs des courts-métrages. et a fait est c'est un film extrêmement provocateur. C'est l'histoire d'une gentille fée, mais qui est très méchante avec, les, avec une certaine catégorie de messieurs, euh, c'est-à-dire les, les leaders politiques réactionnaires. Elle leur coupe la bite. Et conserve tout ça dans des bocaux. Et donc on dépose cette sirène, c'est une sirène, elle est dans un tonneau, et on la pas, dépose... c'est pas, pas une sirène, c'est une fée. C'est une fée, et on la dépose devant le palais royal à la fin. C'est oui, toi, oui, qui, oui, oui, toi oui. qui porte avec elle. Oui, absolu, donc, absolument. Euh, il y avait le mon... tonneau pour le déposer, vous vouliez casser le roi mon des m'a <laughs> Le film termine comme ça, Alors évidemment, les Français, ça leur passait un petit peu au dessus de la tête, mais tous les Belges reconnaissaient <laughs> le palais royal. Bien et on, on déposait le, le, le tonneau dans lequel était la fée. Devant, le, devant les portes, devant les grilles du Palais, du Palais, du Palais Royal. Euh, le les, les, monde du tournage, on n'avait pas demandé l'autorisation. Les, les plantons de service étaient absolument estomaqués, mais ne, pour consigne de ne surtout pas bouger. Euh, donc ils nous ont laissé déposer le tonneau et, et repartir. Et puis c'était dans la caméra, c'était filmé. La caméra était de, 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 cachée dans une voiture qui a filé. Et là, on a été poursuivi par une, une escouade de, 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 de militaires euh, qui nous ont emmerdés en leur demandant ce qu'on qu devait déposer là, ce que c'était. Enfin, ça a pris des proportions assez, assez croquignolates. Ce que, ce que raconte là Jean-Pierre, à mon avis, illustre un des aspects qui est très important en fait pour moi de, de, de toute cette saga midi minuiste C'est quand on lit midi minuit, en fait, on a l'impression de lire le journal intime cinéphile euh, de, de jeunes gens qui vivent des aventures au diapason des transgressions de l'écran. Il y a vraiment quelque chose de store. Mais c'est Et... vrai. En fait, c'est vrai. Des rédacteurs, ils avaient aussi une vie un petit peu. Euh... C'est vrai à tous les niveaux, c'est-à-dire c'est vrai quand on regarde la vie des uns et des autres, mais c'est même vrai à un niveau presque symbolique aussi. Oui. Par exemple, si on regarde le destin des uns et des autres, par exemple Jean Boulet, alors certes il n'est resté que les trois premiers numéros, mais ça a été une figure extrêmement importante et, et il reste une figure du midi même quand il est en dehors de la revue, des années après. Si on regarde la trajectoire de Jean Boulet, c'est quelqu'un qui a fini par euh, s'identifier totalement au monstre qu'il adorait et qui, à force d'opérations euh, plastiques, D'abord ressemblait à ses propres dessins. Il s'était fait refaire le nez pour ressembler à son idéal masculin. Ensuite, il a fini par ressembler à Jack Palance. Et à la fin de sa vie, c'était une espèce d'hybride incroyable entre Brian Jones et Andy Warhol, blond peroxydé, digne des plus folles expériences du Docteur Moreau. Si on prend et sa fin et sa fin, est... Et sa fin est... est mythique aussi. Enfin, elle contribue à son propre mythe parce qu'on le retrouve pendu aux portes du désert en 1970, sans qu'on sache ce qui lui arrivait, si c'était un accident, un suicide, un... ou un meurtre. Ou un Meurtre. Voilà, tout était est, tout est, tout est possible avec lui. Voilà. Si on prend Jean-Claude Romère, lui, c'est ce celui qui serait devenu un peu l'homme-livre à la Farinade 451 qui aurait englobé toute la cinématographie du monde. C'est le filmographe exceptionnel qui a fini par devenir monsieur cinéma à la télévision auprès de Pierre Tchernia. Oui, c'est lui euh... qui faisait les questions pour les jeux de Pierre Tchernia à la télé. Et voilà. et donc Il avait il... Il vu tous les films. Oui, voilà. Il, il, toute il, la il, il retenait les génériques. C'est ça. Et si on, prend, euh, si on prend Michel Camp, par exemple, lui, c'est un petit peu le héros noir de cette affaire-là. C'est celui qui aurait mené la quête surréaliste de l'amour fou euh, le, le plus loin. Parce qu'au bout de « Midi, minuit », pour lui, il y a eu « La femme fantasmée »,« Barbara Steele », celle pour laquelle il a créé il, originellement la revue. « Midi, minuit » n'était qu'un prétexte pour avoir une occasion de rencontrer Barbara Steele, dont il était éperdument amoureux. Ça, c'était la première chose. C'est ce qu'il m'a raconté, hein, voilà, mais après peut-être qu'il en jouait, mais en gros, c'est ce qu'il m'a raconté. Elle, elle n'arrive qu'au bout de quelques numéros, quand même. Bien sûr, mais c'était ça l'idée à la base, quand même. C'est ce qu'il me dit. Je ne crois pas un mot parce <laughs> C'est que... pas grave. qu'il proposait <laughs> un livre sur Tyrion Fisher. Fisher, bien sûr. Et que Barbara Steele n'a jamais tourné un film de Fisher. Non, mais dès le <laughs> numéro 2, il oui, y a les photos. Ça a dû voilà. très vite lui, lui voilà. trotter dans la tête, bien sûr. Mais toujours est-il qu'il finit oui, par oui, oui. effectivement la rencontrer et qu'il s'est passé quelque chose. Hein. Euh, même Barbara Steele me l'a confirmé ces dernières années quand on on s'est vu enfin voilà il y a de toute évidence il s'est passé quelque chose donc au bout de la quête midi minuit pour Michel il y a eu la femme fantasmée mais il y a eu aussi la femme épousée Geneviève Collange qui écrivait les plus belles lettres du courrier des lecteurs et euh, elle a écrit notamment ce texte sur le cinéma Mi le midi minuit qui est devenu assez légendaire c'est presque un manifeste okay, du midi minuit ouais. ce texte et donc dans les films lambda qui j'aurais pas pensé j'aurais pas pensé qu'il était là c'est un film que j'avais beaucoup aimé à l'époque il y a le bal des vampires de Polanski oui, bah, parce qu'on est avec Jean-Pierre, justement. Hein, euh... bah ça paraissait, je pense, naturel, tout simplement, de, 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 de l'interviewer. Euh, déjà parce que le bal des vampires, je crois que Romain Polonsky, on a eu l'idée en allant voir des productions à meurtre dans les salles de quartier parisiennes, donc le midi minuit. Ah, qu'il mépris, qu méprisait, par ailleurs. C'est pas aussi simple que ça. Il ne s'en cache pas. Non, mais c'est pas aussi simple que ça. Ça ne faisait pas l'unanimité, un euh, de midi minuit. Oui, oui mais il faut relire son interview précisément, parce que ce qu'il dit, ça... on a retenu qu'il méprisait les productions à meurtre, parce qu'il dit qu'en gros, on retient pas vraiment les scénarios de ces films. Non, ce il, il dit, il dit surtout, quelque chose comme il dit ça, surtout il, euh, que ce sont des films qu'il va voir pour rire avec ses copains. Oui, mais pourquoi pas Tu vois, je veux dire, il y a il, de, en fait devant devant un. Ce qui est intéressant dans le Mal des vampires, c'est qu'il précisément il met en scène le rire qui a été son expérience de spectateur non, dans, film, dans, dans la dans, dans la salle. Et donc c'est une espèce de, de, de du, déjà de films un peu post parce que ça parle d'une expérience de cinéphile et non pas des vampires en tant que tels, etc. Il y a, y, a, y a ce côté-là. Mais. Euh, on a non. retenu le fait qu'il était un peu méprisant par rapport au film de la Hameur, mais dans l'interview qu'il accorde à Midi Minuit, il s'empresse de dire c'est vrai qu'on re... moi quand je vois les films de la Hameur, je suis incapable de me souvenir précisément de ce qu'on m'a raconté, mais en même temps si je suis honnête, je dois admettre que après avoir vu Citizen Kane, bah c'est un peu la même chose. Je me souviens pas non plus précisément de ce qu'on a raconté. Donc il met quand même dans le même paragraphe Terence Fisher et Orson Welles, et puis par la suite on sait qu'en en fait Terence Fisher a quand même été une vraie influence pour lui quand il fait euh, Rosemary Baby. Y a il y a des éléments, notamment dans la scène finale, qui nous rappellent un peu les vierges de Satan, notamment la scène de réception où il y a des détails bizarres. Euh, la, cette aristocrate anglaise qui louche à un moment donné, c'est un détail polanskien qu'on aurait très bien pu retrouver à la fin de Rosemary Baby, et même plus tard quand il fait euh, la neuvième porte, euh, qui est pas du tout son meilleur film, polanski. Il y a encore des éléments qui rappellent les vierges de Satan. Puis t'as de... What Why, je ne sais plus comment ils s'appellent voilà. le film sur le cul, là, qui est formidable aussi c'est oui. un, un bon exemple alors je veux donner un autre exemple de, de mon vécu par rapport à une revue comme *Les diminuer fantastique et puis du Rapport au cinéma de genre, c'est les films de Cormand tournés en 24 heures avec des Edgar Poe là ou en 48 heures. Non, cela Et... était tourné en beaucoup plus euh, de temps Alors, en huit en fait, en, en jours. Il y en a un qui était tourné mais... en 48 heures qui était tourné à la fin du corbeau tiré des Poe, où ils avaient eu un peu de temps pour le faire, mais comme ils avaient terminé avec deux jours d'avance, ils ont improvisé le, le tournage de The Terror toujours avec euh, Boris Karloff, toujours avec Jack Nicholson. Mais voilà, un mais des là on, de 48 on heures. a l'idéal de ce que je parlais de la bande dessinée, mais on peut aussi parler. De toutes les éditions Marabout, par exemple, tous tous les ceux avec quoi on a grandi comme type de littérature fantastique. Il y a eu dans les années 60, un, fait, un élan d'un synthèse. Cormont fait une synthèse magnifique en prenant ses Edgar Poe et en, en prenant les, 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 les acteurs les plus représentatifs du genre et en les faisant revivre, même des types qui sont très vieux, tout ça. Et il y a quelque chose de, de très réussi, d'une de, 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 espèce de synthèse de l'esprit de la chose, quoi. Et aussi dans cette, dans cette rapidité d'exécution. Il y, y a quelque chose du roman feuilleton du, du 19e siècle qui revient et qui est très fort, qui est très habité. Je et trouve. les débuts du cinéma, oui. C'est vrai. Et toi, tu. Midi donc... Minuit s'intéresse d'ailleurs également au début du cinéma. Il y avait, il y avait des, une rubrique sur le cinéma retrouvé. Et ah Il y avait oui, des, inter, oui. des interviews de. de, de 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 l'époque du muet euh, qui ça c'est le côté spécialiste dire. quand même cinéphile euh, ah, c'était c'était un euh, brassage euh, était par ailleurs une euh, euh, revue très pop très pop ça oui chute. parce qu'on entremêle Barba, les arts barbarella les quoi, quoi voilà. barbarella en couverture tu peux pas faire mieux quoi oui c'est vraiment l'idéal c'est losfeld barbarella en couverture et donc toi tu écrivais dedans et spécialement sur les vampires non, pas du tout. Euh, en fait, j'ai failli écrire euh, dedans euh, en 1965, quand j'ai rencontré Michel Caen. Euh, J'avais vu à Bordeaux un film qui était euh, encore inédit à Paris, qui s'appelait La Crypte du Vampire, de Camille Mastro Mastrochenke, euh, avec Christopher Lee. Tu es quand même dans Midi Minutes Fantastiques en 1965 dans le courrier des lecteurs. Oui. <laughs> Et ils annoncent aussi la publication de ton livre sur les vampires. Je n'ai pas fait de livre sur les vampires. Il les... y a une pub je pour ton livre sur Frankenstein. Ah oui, oui, oui. Frankenstein. Oui, oui, oui. Puis il y a eu des photos de moi aussi dans, dans des films. Dans euh, Vampirisme et, et, et dans La pièce en oui oui, 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 absolument. Et donc euh, Michel me demande un texte euh, sur euh, la clip du vampire. J'étais très fier, très, très heureux de participer à cette revue. Pour moi, le midi minuit, c'était euh, mythique. Quoi. Et malheureusement, je lui envoie mon texte euh, qui est accepté. Il trouve ça très bien. Et puis le film sera à Paris et Michel ne l'aime pas. Donc il n'a pas publié mon texte. Euh, ah, C'est euh, comme ça que je n'ai pas écrit dans Midi Minuit. Mais euh, vers la fin. On, on s'était retrouvés, on, on avait collaboré d'autres revues ensemble. Enfin bref, il m'a redemandé les textes pour le numéro qui n'est euh, qui n'est qui n'a jamais été publié parce que la revue jamais jusqu'à aujourd'hui jusqu jusqu aujourd jusqu'à aujourd'hui jusqu'à ce que ah, la... le triomphe du porno et c'est ça qui me fait penser à toi il y l'espèce de mais c'est le porno soft qui arrive en, en 75, il y a quelque chose que de cet ordre-là non laisse tomber non, les textes en question, c'est pas ça. Les, les, les textes dont parle Jean-Pierre, là, c'est Ah, il y a un compte rendu de Cannes si. Euh, Alors oui, y il voir. en est question, mais il en est vaguement question. Oui, ouais, oui. Le, por ça. le porno déboule, euh, oui. Ouais, c'est ça. Oui, oui, oui. Mais c'est juste une, une une allusion, une allusion, une oui, mention, oui, tout le texte n'est hein. pas là-dessus. Oui. parce que non, on parle non, aussi non, de, non, de, de Jésus Franco, non. tu oui. dis que le ciment hongkongais va. Bah, faut s'attendre à ce que ça explose. Oui, et tu vois, juste là pour le coup. C'est assez visionnaire. Je, bah, je pense qu'on peut peut-être dire un mot de ce numéro perdu, retrouvé, etc. Ah oui, parce, donc, que... parce que tu ajoutes, des, la, la, la réédition que vous faites, c'est avec un très gros travail sur la qualité des photos, sur le, des inédits, enfin c'est... Bah alors L'intégrale, oui, depuis le début, depuis qu'on a lancé ça en 2011, avec le premier volume 2014, deuxième 2015, troisième en 2010, le dernier cette année, en fait, on, moi ce que je me suis dit, c'est qu'on ne pouvait pas faire un reprint de Midi Minuit, de midi, minuit tel que c'était, ce ne serait pas rendre justice à la revue, parce que midi-minuit, c'était un choc esthétique dans les années 60. Et. Pour moi, il était évident aujourd'hui qu'il fallait reproduire ce choc pour les lecteurs actuels. Et pour reproduire le choc pour les lecteurs actuels, ça voulait dire faire le plus beau livre possible. Midi Minuit, c'était une revue d'art. Il fallait faire des livres d'art. Et pour ça, euh, bah, je me suis mis en quête de toutes les photos qui avaient été publiées. Donc je suis allé chez les collectionneurs pour les scanner en haute définition, les retoucher pour que ce soit vraiment le plus beau possible. On a ressaisi tous les textes. Euh, on a restauré tous les éléments graphiques de la revue euh, d'époque, donc les couvertures, les titres, les pubs, de, les pavés de presse, enfin, euh, tous les éléments graphiques. Et euh, mon boulot essentiellement a consisté à, à envoyer tout ça à mon éditeur, en, donc midi, diminué en pièces détachées, voilà, avec un, un gros chemin de fer, 750 pages par volume, c'était ça l'idée. Au-delà de ça... Ce qu'on voulait faire, c'était également, euh, pas simplement donner à relire la revue, même si c'était le cœur naturellement du, du projet, de, on voulait redémocratiser cette revue, parce que pour se procurer des numéros, il fallait payer un prix fou sur les sites de revente sur Internet, etc. Enfin, la revue était très chère euh, voilà. à l'époque. Et aujourd'hui, elle était encore plus chère. Voilà, le numéro 8, par exemple, on ne le trouvait pas à moins de 200, 300 euros. Enfin, c'était vraiment délirant. Donc l'idée, c'était vraiment de redémocratiser. Mais en même temps, ce que je voulais faire, c'était aussi donner à comprendre ce qu'était le mouvement mid Alors là, je prenais ma casquette d'historien. Et euh, ça supposait d'écrire toutes sortes de textes pour accompagner la, la revue. Ça, c'est une chose. Mais aussi.. de manière assez ludique, à fournir dans chaque volume un, un chapitre central qu'on a appelé l'entracte, avec des textes retrouvés. De l'époque, ou des textes inédits que j'ai pu écrire sur tel ou tel sujet, tel ou tel court-métrage, ou, ou voilà. Et, euh, et au-delà de ça, voilà, on, on, on voulait on voulait vraiment donner à comprendre ce mouvement et donc dans le dernier volume non seulement il y a cet entracte du Midi Minuit avec toutes sortes de choses, on a retrouvé une bande dessinée de Raphaël Maronju incroyable euh, inédite parce qu'à l'époque il a mis en scène les Midi Minuistes, donc euh, Michel Caen, Jean-Claude Romer, Alain Lebris, Roland Lethem qui se retrouvent confrontés à, Bar à Barbara Steele à Donald Wolfitt et à quelques autres donc ça c'est non seulement très marrant évidemment mais c'est surtout très très beau et je pense que c'est une vraie redécouverte, donc il y a toutes sortes de choses comme ça, ça représente à peu près 70 pages du volume. Mais dans ce dernier volume, on voulait aussi enfin publier le nu fameux numéro perdu euh, demi Minuit, donc le numéro 25-26. Alors, il y a toute une histoire sur ce numéro-là, parce que pendant des années, on a cru qu'il s'agissait d'un simple numéro 25 prévu pour le printemps 72. Notre source d'information, c'était un des catalogues de Lusfeld, dans lequel il avait annoncé ce numéro 25, avec comme couverture Christopher Lee, les cicatrices de Dracula. Cette information-là, elle était confirmée par une thèse qui avait été publiée en 77 par René Prédal, consacrée entièrement à Midi Minu Fantastique, et dans cette thèse, en annexe, il y avait cinq textes qui étaient prévus pour le sommaire du numéro 25. Quand j'en parlais à Jean-Claude, Claude Romer, il me disait oui, oui, ce numéro 25 était prévu. D'ailleurs, il avait, je crois, il n'était pas complètement sûr, mais je crois, maquetté, et il s'est perdu euh, chez euh, un imprimeur, parce que Eric Lossfeld envoyait chez bon nombre d'imprimeurs euh, les textes pour avoir des devis. Et a priori, ça s'est pas fait, parce que à ce moment-là, en 72, Eric à avait d'énormes problèmes avec la justice. C'était problème. C'était le moment où il subissait vraiment les foudres de la censure. Il a été condamné pour ses publications érotiques, condamné pour récidive en vertu de la loi sur le dépôt préalable où il aurait dû redéposer devant le comité de censure un certain nombre d'ouvrages, ce qu'il n'a pas fait, donc il a été déchu de ses droits civiques, il a payé des amendes invraisemblables, et donc voilà, le numéro ne paraît pas à ce moment-là. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'en 2013, au cours d'une soirée avec Michel camp où on, euh, on annonçait euh, notre intégral avenir, notamment le, le, le volume 1 qui allait sortir six mois euh, plus tard, on se retrouve donc dans une salle de cinéma euh, Nouveau Latina, on, on s'apprêtait à, à projeter toutes sortes de choses, et on, on présente fait... un peu le projet public, je prends la parole, j'explique ce qu'on va faire, puis là Michel prend la parole et explique et dans le dernier volume, il y aura le numéro double 25 26. Je me retourne vers Michel. Ah bon? quoi un numéro double Mais je suis pas encore c'est quoi cette histoire enfin je découvre en même temps que tout le monde ce, ce truc là alors moi je me pose des questions je me dis mais est-ce que Michel euh, est en train d'inventer euh, ce numéro de toute pièce est-ce que c'est vrai est-ce que Jean-Claude ne se souvient absolument pas d'un numéro 25-26 je finis par poser les questions évidemment à Michel qui me dit si si c'était prévu en 73 euh, on a envisagé de reprendre les textes du 25 avec d'autres textes en plus que pour certains sont parus euh, dans The notamment l'interview de Terence Fischer notamment l'interview avec Paul Morisset et puis il y avait d'autres textes inédits qui ne sont pas parus et là il me parle de tes textes Jean-Pierre, il me parle de ton texte pour, à propos des poupées de Raphaël Maronju, il me parle de ton texte de Russmeyer, il me parle d'un texte de sa femme Geneviève dédié au diable de Ken Russell, il me parle de textes également de Bernard Charnassé une preview de Frankenstein et Monstre de Monstres de l'Enfer quand le film a été diffusé à Paris en 73 avec l'avenue de Terence Fischer donc là ça complétait ce dossier qui avait été en partie publié par Zoom. Donc il me parle de tous ces textes. À l'époque, moi je t'avais posé la question, tu étais incapable de me dire si c'était pour midi-minuit, pour Zoom, Comment pour un numéro 25, un numéro 25-26, enfin, bref, c'était pas clair du tout. Pareil avec Geneviève Quand, elle ne se souvenait pas. Bernard Charnassé, il se souvenait avoir écrit des textes, mais pour pareil, il ne se souvenait pas pour quelle revue. Ça aurait pu être pour Zoom de la même manière, puis non publié. Bref, on ne savait pas. Jusqu'au jour où, des années après le décès de Michel, chez Geneviève, je, je continue de faire des recherches dans ses archives de photos pour, euh, voilà, pour les, les publier, pour restaurer les numéros. Et là, je tombe sur une petite chemise euh, où il y a des textes manuscrits, où il y a juste un écrit MMF dessus. Et là, on retrouve formidablement ton texte, enfin <laughs> tes textes, Jean-Pierre, les, les textes dont Michel m'avait parlé, et donc, ben bah voilà, on a la confirmation de de, de, de parce que c'est daté, on peut, ça pouvait être que 73, de, ne serait-ce que par le, le, le texte en de cas Bernard cas cas pour, pour euh, sur pour Frankenstein et le monstre de l'enfer. Donc on avait la preuve, là, irréfutable de l'existence du numéro 25-26. Et en relisant la thèse de Prédal, en relisant entre les lignes, je découvre qu'effectivement, entre les lignes, on, on aperçoit qu'il est question d'une existence souterraine jusqu'à l'été 73. J'ai appelé aussi euh, René Prédal, euh, qui habite Vernis, nice, je crois, qui me confirme que euh, le, le, en fait, euh, Michel Caen, finalement, l'était. Textes qu'il récupère, c'est lui qui les lui donne en 75, au moment où il abandonne vraiment définitivement l'idée d'un retour de, de midi-minuit. Donc, moi, à partir de là, je me suis dit, il faut vraiment donner enfin vie à ce numéro, parce que c'était le, le fantasme jusqu'au bout de, de, de Jean-Claude Romère et, et de Michel. Encore quelques. Jean-Claude Romère nous a quittés au mois de mai euh, cette année. Alors, c'est effectivement une grande tristesse, parce que j'aurais vraiment rêvé de pouvoir lui montrer le volume final et qu'il puisse voir enfin la collection totalement complète. Mais trois jours avant son décès, Ai eu au téléphone parce que je lui avais envoyé la, le, notre couverture pour ce volume là euh, par la poste je savais qu'il n'avait pas internet et je tenais vraiment à ce qu'il la voie le plus vite possible je sais pas si c'était une intuition de ma part mais en tout cas Heureusement que je l'ai envoyé. Et il m'a rappelé donc le lundi, il est décédé le vendredi, il m'a appelé lundi. Il était extrêmement heureux de la couverture, donc une couverture tirée de Jean Rollin, euh, euh, qui prend un peu le contre-pied des autres couvertures, parce que les précédentes couvertures, c'était vraiment. Euh, le loup, on avait repris le loup-garou euh, étranglant sa propre mère en couverture du numéro 1. On avait eu Barbara Steele maniant le rasoir en couverture du numéro 2. On avait Raquel Welch crucifiée en couverture du numéro 3. Donc on ne pouvait pas surenchérir ni dans la violence, ni dans le blasphème, et on s'est dit. dit pour le cou la couverture du numéro 4, on va prendre le contre-pied et faire quelque chose qui conclut sur la douceur. Et on a donc ce, ce couple de femmes avec une femme vampire de, de Jean Rollin, c'est Dominique, qui euh, vampirise Sandra Julien, euh, avec une couverture avec plus de nudité. Donc, du coup, on est vraiment dans une espèce de douceur vampirique 70 Donc, voilà. Jean-Claude était extrêmement heureux de cette couverture. Il était très sensible à la photo. Et surtout, au cours de cette dernière conversation, euh, bah, ça a tourné essentiellement autour du numéro 25-26 dont il était mais extrêmement heureux de savoir que ça y est, on, a, on, est, on allait le faire. Et donc moi, mon travail sur le numéro 25-26, ça a été de reconstituer un petit peu ce sommaire en recoupant toutes les informations que j'avais, donc en reprenant tous les textes du 25 publiés dans, en annexe de la thèse de Prédal, en retrouvant les textes qui avaient été publiés dans Zoom ou ton texte... Également le compte -rendu de Cannes qui avait été publié, rappelle-moi. signé le signe revue. revue, voilà. Euh, les textes inédits, euh, et puis surtout en essayant de faire une maquette qui soit le plus fidèle possible à ce qui était mis diminué à la fin. Donc là, c'est un boulot monstrueux, c'est-à-dire. Pour le choix des photos, parce qu'on n'avait aucune indication, donc ça c'est la première chose, mais surtout pour essayer de retrouver les polices de caractère euh, des, de, utilisées par le Sfède à l'époque, pour retrouver vraiment des manières de présenter les choses qui étaient vraiment dans la continuité logique de, de, de ce que c'était. Et donc, quelque part, ce numéro, euh, je disais tout à l'heure, euh, voilà, les, la destinée des uns et des autres dans Midi Minuit relève d'un journal intime au, au cinéphile, au diapason des transgressions de l'écran. Midi Minuit, c'est vraiment la revue de la traversée du miroir, de ce point de vue-là, c'est vraiment une revue qui traite. Du Fantastique, mais c'est une revue qui est fantastique par essence. Et je crois qu'avec ce numéro de 25-26, moi j'ai fait un petit peu ma propre traversée du miroir. C'est-à-dire qu'on a finalement ouvert une réalité parallèle. C'est Comme si ce numéro était sorti en 73 et que qu'on le retrouvait ici et maintenant. Voilà, il y a quelque chose. C'est génial, on va écouter un petit morceau de musique. Et donc euh, Nicolas, tu as une actualité autour de la reparution de ce quatrième volume Alors oui, parce que le Forum des Images m'a proposé en début d'année d'accompagner la sortie de ce volume, par un grand cycle euh, midi-minuiste, donc sur trois semaines, du 15 décembre au 9 janvier, accompagné d'une exposition que, bah, que j'ai dirigée. Donc Oual, le Forum des Images OAL. Exactement, OAL, et euh, bah, pour le coup... Moi, c'est formidable parce que c'est vraiment l'occasion de présenter bah, tous les films que j'aime. Donc, on retrouve tous les classiques midi diminuistes des années 60. Donc, de la Hammer Film, Mario Bava avec Barbara Sill, Le Masque du démon. Euh, du Roger Corman, La Chambre des Tortures. Euh, du Jacques Tourneur, Rendez-vous avec la peur. Euh... Il est important de signaler que, en propos de films, c'est qu'il y a aussi par volume de la réédition de midi-minuit un DVD avec ces fameux courts-métrages dont tout, le monde dont tout le monde parle, euh, dont midi-nuit euh, parlait, mais que personne n'a jamais vu. Exactement. On les présente également, ces courts-métrages, au Forum des images. Hein, il y a des séances euh, dédiées. Mais c'est vrai que dans chaque volume, euh, je disais tout à l'heure que j'avais à cœur vraiment de documenter ce qu'était le midi-minuisme. Mais pour aller au bout de la démarche, à un moment donné, il a bien fallu montrer qu'il y a eu un âge d'or fantastique du court-métrage dans les années 60, directement euh, hérité de la revue. C'est-à-dire que c'est soit des membres de la revue qui, qui finissent par passer derrière la caméra, soit des gens qui, sous inspirent de la revue se décide à le faire soit des gens euh, comme par exemple Pierre Etex ou Jacques Baratier qui sont déjà des cinéastes plus établis mais qui quelque part s'inscrivent aussi dans ce mouvement-là parce qu'ils aiment le fantastique à leur manière avec leur, leur regard propre et donc dans chaque volume c'est vrai qu'on a on a édité un grand nombre de courts-métrages donc par exemple le tien Satan bouche un coin dans le volume 2 euh, court-métrage avec Pierre Molinier expérimental que tu avais réalisé avec Raphaël Maronju euh, dans le volume 3 on avait retrouvé les rushs de ce film de Jean Boulet, le Dracula en ombre chinoise, qui était un atelier permanent, une utopie, une utopie collective dans les années 60, au cours de laquelle euh, Philippe Drouillet, Boris Bergman ont fait leurs premières armes euh, artistiques. C'est vraiment là qu'ils sont nés euh, en tant qu'artistes et, et quelques Berkman, autres. Bergman, parolier de Bachong. Voilà. Et, et puis Philippe Drouillet, bien sûr, bien que sûr ne Voilà. Euh, et dans ce dernier volume... Et, film qu'on présente donc au Forum des Images. On a Insomnie de Pierre Etex, qui est un, un film à mettre au panthéon du cinéma des vampires. Euh, on a F Futur de Jacques Baratier, qui est un sublime poème fétichiste, euh, sidérant de beauté sur une musique de Georges Delru. On a La Maison du Juge, un film que, dont Jean-Pierre m'avait parlé il y a déjà dix ans et qu'on a recherché pendant des années et des années. Et on avait même abandonné l'idée de le retrouver. J'avais tapé à toutes les portes de toutes les cinémathèques de France, d'Europe, de chez tous les collectionneurs. On trouvait rien du tout. Et, au moment de boucler le, le DVD, alors là, un, un, ces petits miracles midi-minuistes qui ont qui ont euh, qui sont arrivés au cours de cette réédition, euh, eh bien j'ai vu une annonce passer dans un magasin au nord de la capitale qui s'appelle Ciné BD. Il y avait une copie en vente à 50 euros. Alors je me suis précipité, je l'ai je j'ai même pas vu le film, je l'ai numérisé Mais pour le, le DVD. Une pellicule, pellicule. Oui, oui oui oui, une copie d'époque euh, pellicule 16 mm. Et euh, ce film c'est formidable parce que c'est une adaptation de la nouvelle de Bram Stoker, donc La Maison du Juge. C'est la, la première fois au monde. Qu'un un texte de Bram Stoker, autre que Dracula, était adapté au cinéma. Voilà, et quelques mois après sa publication dans Fiction, fait par un, un jeune cinéaste, enfin un jeune amateur s'il avait 20 ans, Serge Fouquet. C'est un film fait vraiment dans les conditions amatrices, mais ce qui est formidable avec ce film, c'est que ses défauts contribuent à sa beauté et contribuent à lui donner une espèce d'étrangeté euh, fascinante et même à... Vrai, ça procure vraiment même une sorte d'effroi, il y a quelque chose d'effrayant dans ce film, euh, son, sa pellicule sous-exposée, sous sa post-synchronisation un petit peu euh, aléatoire, on ne sait pas si c'est un film muet qui aura été sonorisé, recolorisé, on ne sait pas si c'est un film français, où... enfin, c'est très 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 bizarre et c'est formidable. Euh, parmi les, les, les autres films de ce, de ce, de, de ce DVD, nous avons Novicia de Noël Burch, qui est un film... Alors là, tout à fait étonnant aussi, qui... Euh, se ressaisit de cette figure propre à Midi Minuit qui est le voyeur Pipping Tom et qui lui invente de nouvelles aventures en l'en confrontant à une euh, vamp fantastique nouvelle manière la vamp fantastique c'est un des gros, autres grands thèmes de Midi Minuit mais là qui serait réinventé sous la forme d'une sévère professeur de yu tsu voilà donc c'est un film Sadomaso tout à fait tout à fait amusant et, et, euh, et très beau aussi vraiment qui, qui, a, qui a vraiment une, une mise en scène et, très, très particulière et l'autre principal est tenu par la Sylvain oui en plus qui était ouais. un déplié des cahiers du cinéma qui était le créateur, avec Janine Bazin, de la série Cinéaste de notre temps. Qui était un monsieur très sérieux, très. La Lacou Labarthe, là, oui, il écrivait... À... Non, pas Lacou Labarthe. C'est pas lui. André, André S. Ah, Labarthe. La oui, oui, une figure très importante de la cinéphilie et qu'on retrouve là dans ce rôle de, de soumis euh, tout à fait étonnant. <rire> <rire> voilà. Au bot. <bottes>, euh... <laughs> Bref. Et euh, nous avons un autre court-métrage, c'est Deux Mes Amours décomposés de Jacques Zimmer. Alors, je, ça, c'est un. Jacques Zimmer, c'est une sorte de midi minuis de l'extérieur. Il n'a jamais écrit dans Midi-minuit, mais il, con il continuait le combat midi minuis par d'autres moyens dans la revue du cinéma. Cinéma, dans du cinéma, il avait organisé une table ronde sur le fantastique où il avait invité les, les rédacteurs en chef de Billy minuit. Voilà, et je crois que si je ne dis pas de bêtises, c'est la première fois que l'on emploie le terme cinéma bis. Je crois que c'est Pierre-Philippe qui l'emploie à ce moment-là. Philippe... Table... Bien, bien avant. Pierre-Philippe, c'est dans, dans un dossier qui s'appelait le bis, dans un dossier de cinéma 63 ou 64, je ne sais plus. Mais il y a aussi une table ronde avec. Euh, alors on mélange les tables rondes là, mais non, il y a une non, table non, ronde non. aussi avec Jean-Claude Romère, où il y a Pierre Philippe en 63, Cinéma 63. Moi c'est celle-là dont je, dont je parlais. Enfin bon. Non, c'est dans, dans Images et Sons. Bah, alors il y en a deux, parce qu'il y a aussi une, ta, une table ronde en, dans Cinéma 63. Ah bon Oui, oui, Jean-Claude Jean Romère participe à ces table rondes. Enfin, bon. voilà. <laughs> donc ce film de mes amours décomposés, alors là c'est formidable aussi c'est presque un manifeste midi-minuiste parce que euh, il s'agissait pour Jacques Zimmer de mettre en scène ses auteurs préférés donc il y a les textes de Baudelaire de Le Traimont, de Sade de Lovecraft en, en utilisant pour les illustrer euh, donc Poésie 19e siècle, c'est quand même ce y un petit peu de plus noble dans la culture à l'époque. Enfin voilà, c'est la culture avec un grand C. Et il illustre tout ça parce qu'il y a de plus trivial à ce moment-là, c'est-à-dire la bande dessinée pour adultes, celle des éditions Warren aux États-Unis, avec tout ce qu'il peut y avoir de gore dans Creepy, I Vampirella, etc. Et en même temps, la bande dessinée pour adultes d'Eric Losfeld, donc avec la saga d'Exame de Nicolas Deville. Et cette association entre le noble et le trivial, ça c'est archimie diminuiste et c'est très très beau, et c'est extrêmement beau. C'est une des plus belles bandes dessinées de l'histoire de la BD. Euh, scénario de Jean Rollin. Voilà. Oui, oui. Collaborateur de Midi Minuit. Voilà, donc on est toujours donc dans un de cercle mort. Midi Minuit. D'ailleurs, le film démarre par des remerciements à Eric Lusfeld, Michel Con et Jean-Claude Romère. Et Jean, Romère, et voilà, et Jean Rollin, dire... pour ceux qui ne connaissent pas, qui fait des films de vampires et des films érotiques. C'est ça. Et qui euh, écrit quasiment à lui tout seul les deux derniers numéros publiés de Midi Minuit avec cette euh, étude euh, dossier sur Gaston Leroux. Sur Gaston ah Leroux. Oui, ça oui. Il théorise d'ailleurs son propre cinéma. Il parle autant de Leroux oui. que de ce que sera son cinéma par la suite. Le texte est fascinant, notamment pour cette raison-là. C'est très important. En pagination oui en, en, oui, oui c'est quasiment un mini livre dans le livre. Ouais. On, peut dire, on peut dire ça comme ça. Dans ce DVD toujours un film de vampire formidable de Robert de La Roche Chronique de voyage qui invente une espèce de Transylvanie normande, et rien que pour ça, ça mérite d'être salué. Et enfin, un film érotique qui nous avait été euh, signalé par Christophe Beer qui s'appelle Sexana, euh, qui est une sorte d'Alice au pays du SM avec Joël Coeur, donc qui est de, 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 de Jean Rolin à nouveau. Et Sexana, euh, comment défendre ce film comment on le ben, Je dirais qu'en fait, quand Michel Con, Jean-Claude Romer, Jean Boulet et les uns et les autres font des, des articles érotomanes en hommage à Barbara. À, à Meyla Nurmi, à Elsa Lanchester dans les tout premiers numéros, eh bien je me dis que peut-être secrètement déjà rêvait-il à des films tels que Sexana. Voilà. Je pensais dans ces, dans ces films euh, OVNI à The Wickerman, mais je ne sais pas si mon accent est bon. Euh... The Wickerman, bientôt. Il ah, y a des photos. de le titre français de ce film bah, C'est The Wickerman. Ah oui, voilà, c'est resté son titre en France. C'est bien comme histoire, c'est vraiment l'idéal. De... Ça a de... été annoncé un moment sous le titre L'homme dosé. Oui, peut-être. Ouais. Euh... Mais il y a eu oui, une oui, ressortie oui, oui. récemment, c'est The wickerman et... C'est oh un, un peu lent, mais c'est comme une nouvelle d'Edgar Poe, quoi. Et tiré comme ça. Ah, c'est formidable, ce film. Vraiment... C'est les mecs qui visitent l'hôpital psychiatrique et puis... En fait, c'est les médecins qui sont enfermés et les... enfin, dans le genre de nouvelles d'Edgar Poe. Non, c'est pas ça. Je, je raconte pas l'histoire du film. Ah bon je veux dire, c'est ce genre de truc de décalage qui fonctionne bien dans le fantastique et qui Comme le, qui le, en rajoute système, pas dans, du, dans le grand, du, grand du Guignol. C'est pas Bourdon et du docteur Plum. Voilà. C'est pas du grand Guignol. C'est juste quelque chose mmh. qui, qui qui fonctionne sur sa chute. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Pour un moi, c'est l'un des derniers ça. très, très grands films du cinéma d'horreur anglais, euh, né avec le, le, le mouvement euh, Hammer, 57, etc. Ouais. De cette phase-là du cinéma fantastique anglais, c'est l'un des, des derniers chefs d'œuvre tardifs avec euh, Dr. Jekyll et Sister Hyde, avec les derniers Fisher etc. Moi, je le vois un peu comme une borne de toute cette période-là, quoi. Et donc... Après, il y aura les Freddy, Freddy 1, 2, 3, 4, etc., qui sont des films d'horreur. Et puis, il y aura toute, la, toute extens, ouais, toutes les séries télé. Le c'est devenu le, le cinéma dominant. Oui, c'est ça. Mmh. Il y a des séries télé à l'infini avec des, des, des additions de personnages. Enfin, on en rajoute. C'est un retour de la comédie des Mais euh, hein, c'est... C'est effectivement devenu très dominant dans le domaine de la culture le populaire. Le est devenu le dernier grand mythe euh, fantastique. C'est formidable. Ah, c'est génial. Est, est génial. L'autobus le... jaune là, qui, qui, qui ramène les, les, les lycéens là, enfin puis les, les vestiaires, enfin tout, c'est enfin, génial. Et, et, et des, des sous-produits, de sous-produits à l'infini, une version moins bien, moins bien, moins bien, moins bien, jusqu'à arriver à des trucs, des, des, des séries qui n'en finissent pas avec tous les personnages possibles additionnés, mais, mais qui renaissent après autres. sous d'autres formes, etc. Ah, etc., etc. en etc., fait, etc., on est on est toujours dans l'illustration de ce que gigogne, gigogne. on est toujours dans l'illustration de ce que boulet avait théorisé dans le tout premier numéro de midi minuit euh, sous le nom de permanence non, des non, mythes. Dit, voilà, ouais. midi minuit a mis en avant cette idée là. Et euh, à démontrer qu'il y avait une réalité de la permanence des mythes, et on en, on en fait chaque jour l'expérience euh, en, en allant au ciné, en ouvrant la télé, etc. Donc voilà, voilà. nous étions sur Alligre FM 93.1, Dans la vie est un roman avec deux vampires de passage. Et nous vous conseillons de regarder la revue Midi-Minuit, fantastique, et d'aller au Forum des images. J'imagine qu'il y a une table voilà. où on peut consulter les quatre exemplaires. Voilà, du la... 15 décembre au 9 janvier, euh, l'expo est en accès libre, et puis toutes sortes de 40 projections. C'est une -ce... édition en rouge profond. Qu'est-ce qu qu qu'il y a dans l'expo dans l'exposition, c'est une histoire de midi minuit en photo euh, avec des textes également, avec des vidéos auxquelles a participé d'ailleurs jean-pierre. il fait une lecture d'un texte de jean boulet. Euh, voilà. merci à vous deux d'être venus et euh, bonne chance pour la suite.